Yo, je suis malade. Pour la deuxième fois dans ce voyage, je crois. Bon, c'est un peu le nez qui coule, mais ça va. Donc là, j'ai quitté Poznan hier. Après 8-9 jours de belles rencontres. Enfin, un peu trop de rencontres, à mon avis. Mais ça faisait du bien de se retrouver tout seul dans une tente. Surtout que c'est super joli, en plus une belle nature. Et du coup, ça faisait 10 jours que j'avais pas vu une lueur de flamme. Putain, je peux vous dire que j'ai bien apprécié en lisant Harry Potter, tout cela. Donc là, je me dirige vers Vlotslof. C'est environ à 250 bornes d'ici. Mais avant cela, j'ai reçu un petit message sur Couchsurfing d'une journaliste freelance, une mère de famille qui est passionnée de nature et qui a fait pas mal de voyages en Sibérie à pied sur plusieurs mois. Du coup, elle était très intéressée parce que j'avais mis un message sur public de Couchsurfing. Du coup, elle a vu que moi aussi j'étais marcheur. Du coup, elle m'a invité pendant 2-3 jours chez elle. C'est environ à 40 km de là. Du coup, j'arrive à demain soir et on va voir ce que ça se passe. Ça va être bien intéressant. Surtout que des marcheurs ou des personnes qui ont vraiment connu la marche nomade, c'est pas tous les jours que j'en rencontre. Du coup, c'est cool. Et après, j'aurai une semaine pour aller à Vlotslof et là, beaucoup de choses qui vont se passer. Allez, salut!